Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir inaugurer cette session et apporter ce premier témoignage sur les bénéfices de l'utilisation des données de santé. J'attends juste que les slides s'affichent. Et voilà. Donc en fait, c'est l'occasion pour moi de vous parler du projet BACTOP, qui s'intéresse à l'exposition aux antibiotiques et à l'incidence des bactériémies à bactéries résistantes en France. Je travaille sur ce projet dans le cadre de ma thèse de science, sous la direction de Laurence Vattier, au sein de l'unité échappement aux anti-infectieux et pharmaco-épidémiologie. Prochaine slide. Au cœur du projet BACTOP, il y a la résistance des bactéries aux antibiotiques, qui est un vrai problème de santé publique avec un coût hospitalier, humain et puis financier très important, puisque les estimations en 2016 font état d'environ 140 000 cas d'infections bactériennes résistantes à l'hôpital. Et ce, entraînant un surcoût annuel de 290 millions d'euros. L'autre problème, c'est que ces infections diffusent dans la population générale, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est potentiellement à risque de présenter une infection bactérienne résistante. Dans ce cadre, depuis les années 2000 en France, mais également au niveau international, des plans de lutte contre l'antibiorésistance sont menés et au sein de ces plans de lutte, il y a la promotion du bon usage des antibiotiques, puisqu'il y a aujourd'hui de nombreuses études qui montrent que la prise d'antibiotiques participe au développement de résistance bactérienne. Prochaine slide. Au sein du projet BACTOP, nous souhaitons aller un peu plus loin et donc tenter de quantifier le rôle de cette consommation d'antibiotiques à l'échelle individuelle, c'est-à-dire quand tout un chacun prend des antibiotiques pour une infection. Quel impact cela a sur notre risque de développer par la suite une infection bactérienne résistante? Et plus particulièrement, nous nous intéressons aux bactériémies, qui sont définies par la présence de bactéries dans le sang. Pourquoi les bactériémies? Eh bien, parce que c'est un marqueur assez souvent utilisé pour l'antibiorésistance, puisque c'est un marqueur relativement pur d'infection, au sens où la présence d'une bactérie dans le sang signe l'infection en dehors des cas de contamination qui sont en général assez facilement excluables. Et nous spécifions cette analyse sur les bactériémies communautaires, c'est-à-dire celles qui ne sont pas acquises à l'hôpital. De manière optimale, nous souhaitons pouvoir faire cette analyse sur une grande base de données qui inclut la consommation d'antibiotiques des patients, à la fois à l'hôpital mais également en ville, pour pouvoir savoir pour les patients inclus leur exposition aux antibiotiques, quel que soit l'endroit où ils les aient pris. Au sein de notre population, nous allons constituer trois groupes. Premièrement, nos cas seront définis par des patients avec une bactériémie à bactéries résistantes. Et nous aurons deux catégories de témoins, des patients avec une bactériémie à bactéries sensibles et puis des patients non infectés. Et pour ces trois catégories de patients, nous allons les comparer sur leur prise d'antibiotiques l'année précédant leur inclusion. Prochaine slide. Pour ce faire, nous avons deux principales sources de données. Tout d'abord, nous avons constitué une base de données hospitalière de patients avec des bactériémies qui ont été appariées à des patients non infectés, et ce, à partir des données de l'entrepôt des données de santé de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui couvre plus de 8 millions de patients, soit plus de 10% de la population française. Et donc, dans cette base de données, nous avons recueilli des données sociodémographiques, cliniques, de séjour, de microbiologie, la prise des médicaments et notamment les antibiotiques à l'hôpital pour ces malades, et puis leur mortalité à l'hôpital. Et puis, nous souhaitons pouvoir enrichir cette base de données par un complément de données issu du système national des données de santé qui est géré par la CNAM, pour pouvoir notamment avoir accès à cette consommation d'antibiotiques en ville des patients et donc avoir une exposition complète aux antibiotiques pour les patients inclus. Prochaine slide. Il y a plusieurs grandes étapes pour pouvoir constituer cette base de données. Tout d'abord, au sein de l'entrepôt de données de santé, nous avons sélectionné les patients avec une bactériémie, grâce à leur codage, mais aussi grâce aux données de microbiologie.
Par la suite, comme nous travaillons sur des données cliniques et des données en fait, un volume important de données, eh bien, l'étape de qualification des données est très importante et nous a pris énormément de temps. C'est-à-dire que par un processus itératif, nous avons identifié les problèmes de qualité qu'il y avait et tenté de les résoudre, puis par la suite, structuré et nettoyé les données. Et ce travail est réalisé au jour le jour avec l'appui de Salma El-Walidi et Maeva Kos, qui sont deux data engineers au Health Data Hub, et bien sûr également avec l'appui de l'équipe WIN de l'entrepôt données de santé, qui sont les producteurs de données. En parallèle, nous tentons d'enrichir ces données-là par des données extraites à partir des comptes rendus hospitaliers, et ce, par une collaboration avec Xavier Tanier. Dans notre base de données, nous allons sélectionner environ 15 000 patients avec une bactériémie communautaire sur les années de 2017 à 2019. Et pour chacun de ces patients, nous allons l'apparier sur l'âge, le sexe et la période d'hospitalisation avec environ donc 75 000 patients non infectés, c'est-à-dire pour chaque patient, apparier avec 5 cas de patients non infectés. Et sur l'ensemble de cette population, nous souhaitons, après avoir obtenu l'autorisation de la CNIL, pouvoir réaliser un appariement indirect avec le SNDS pour récupérer la consommation d'antibiotiques en ville des palates. Prochaine slide. Donc, le projet BACTUB est un projet qui fait intervenir un grand nombre d'acteurs et qui permet d'établir une grande base de données cliniques et microbiologiques pour les bactériémies, avec donc, pour les patients inclus, une information la plus complète possible sur leur exposition aux antibiotiques. Ce projet va nous permettre de préciser le rôle des antibiotiques à l'échelle individuelle sur le développement et la survenue d'infections bactériennes dans le sang résistantes. Bien sûr, nous souhaitons pouvoir partager les algorithmes qui ont été développés dans le cadre du projet, dans le cadre des conventions entre les différents acteurs du projet BACTUB. Nous pensons que le projet BACTUB va également nous permettre de mesurer l'impact qu'aurait le fait de diminuer la consommation d'antibiotiques sur le nombre de bactériémies résistantes et que ces résultats pourraient avoir un intérêt pour les politiques d'usage des antibiotiques. Enfin, j'aimerais bien sûr remercier l'appui fort du Health Data Hub, à la fois organisationnel et technique, mais également les producteurs de données, bien sûr l'équipe WIND de l'entrepôt de données de santé de la PHP, mais également j'aimerais remercier par avance la DataD de la DSES de la CNAM qui réalisera l'appariement en direct avec le SNDS, mais également le professeur Christian Brimbisson et Didier Guimot avec qui nous avons des interactions scientifiques fortes. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions.